Deuxième partie, comme j'avais promis, le groupe 4C. Alors, on va vite comprendre. Vénusien, Adamski. Bon, comme ça, au moins, je pense qu'il y en a qui ont compris. Ça va très vite à lire. C'est pour ça que je voulais faire deux vidéos séparées. Parce que, comme une vidéo de 5 minutes, c'est pas assez long. Là, au moins, il y en aura deux. Ça fera à peu près 7-8 minutes, 8-9 minutes, et ce sera parfait. Voilà, groupe 4C. Je vais pas tout dire non plus parce que. Il y a tellement de trucs à dire. On aura peut-être encore un autre la prochaine fois. Groupe 5A, il est vraiment magnifique aussi. Ou le 5B, je sais pas. Façon Michelin. J'hésite. Mais 5C aussi. 6, 6B. Bon, enfin, on va voir. En tout cas, bon, il y aura sûrement encore une vidéo ou deux comme ça. Groupe 4C, entité typologie. Voilà, c'est très intéressant. Ouais, les entités. Typologie, groupe 4C. Voilà. Les apparitions humanoïdes d'Eric Zurker. Et c'est parti. Alors, entité typologique, groupe 4C, c'est plus agréable à regarder parce qu'ils sont quand même plus beaux, beaucoup plus beaux de visage. Alors, cette variante regroupe tous les occupants de grande taille dépassant les 2 mètres. Moi, je fais 1,90 m, donc déjà, c'est beaucoup plus grand. Ouais, 10 cm, voire plus. Par rapport à moi, c'est la description du fameux Vénusien d'Adamski. La peau est blanche, les traits du visage sont particulièrement fins, les vêtements sont constitués d'une combinaison collante et souvent lumineuse. Ça doit être beau à voir. L'attitude vis-à-vis des témoins peut être amicale ou indifférente. Dans le cas d'Orange, pas Orange, hein, Orange SFR, Orange, hein, c'est une. Hein, les êtres paraissaient androgynes. Il y avait les pieds nus, ce qui a également été noté dans un témoignage provenant de l'Amérique latine. Dans les deux apparitions du domaine, le visage de l'entité n'était pas visible. Le groupe 4C. Que je vous ferai juste après, représente 3 observations pour la France, ce qui est déjà pas mal, soit 2,11% des 142 cas qui auraient pu être déclassifiés dans une typologie. Au niveau mondial, les principales observations se sont déroulées en Amérique latine. Alors pourquoi plus là-bas, j'en sais rien. De nombreux cas de contact existent un peu partout dans le monde, y compris en France, à part le C014. Bon, ils n'ont pas été intégrés à cette étude pour des raisons diverses. Les grands anges blonds ou vénusien représente aujourd'hui l'illustration parfaite du mythe soucoupiste. Pourtant, mis à part les élucubrations de certains, comme ils disent, sectes, hein, toujours promptes à faire mention d'amis imaginaires, il ne fait pas de doute que des êtres identiques ont été observés partout dans le monde et également en France. Oui, parce que de toute façon, maintenant, dès que tu vois quelque chose, tout de suite, t'es conspirationniste, secteur. Tout est bon, hein, bon bref. En rapport des autres groupes, les témoignages restent cependant anecdotiques vu leur nombre. De nombreux ufologues les considèrent comme des archétypes angéliques travestis en extraterrestres, post-modernité oblige. Il y a plus de 150 millions de témoins depuis 1947. Mais d'où bien ça dans la tête. Et même peut-être beaucoup plus. Parce que vu l'antérieur, avant, je veux dire 1947, jusqu'à nos jours, je dirais à peu près 200 millions. Sans compter, il y a 10 millions, il y a 20 millions, il y avait déjà des êtres comme ça. Bon, bref. Très intéressant. Groupe 4C, je vais vous faire un tout de suite et je coupe là. Ça fera deux belles vidéos de environ 10 minutes. Magnifique, hein? Je coupe là, merci. La prochaine fois, il y en aura certainement des autres vidéos, mais je ne sais pas sur lesquelles. Il y en a beaucoup. On verra. À bientôt. Et puis surtout, portez-vous bien. Parce que, avec toutes les mauvaises nouvelles qu'on donne en ce moment, je vous ai dit, je vous rappelle en dessous, j'en mettrai toutes les vidéos. À chaque coup, j'en mettrai ça. La vitamine C et le reste. À chaque coup, je le mettrai. Le professeur Raoult fait des recherches. Hein, ou
le docteur Trotta Pascal, Trotta, qui est très bien aussi, Pascal. C'est pas des rigolos, je veux dire. Bon. Donc je coupe. Voilà. Merci, à bientôt. Ah, qui meurt sans quand même, hein, regardez la tête. À plus.